Salut tout le monde, c'est Carnage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je viens se trouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on se trouve pour un petit glitch sur Black Ops 3, très simple et qui est très bien. Je pense qu'il est efficace et tout, enfin, il est assez cool comme glitch. Donc c'est, on va dire, un glitch, une astuce ou je sais pas comment appeler ça. Je pense pas que c'est un glitch, mais c'est juste une astuce ou un truc comme ça. Donc avant de vous présenter ce gameplay, je voulais juste vous dire que mon cap avant la fin de l'année, ce serait d'avoir les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et je pense que c'est largement faisable. Et de l'avoir encore plus rapidement, bah ça me ferait super plaisir. Et aussi, je dis pas ça parce qu'il faut vous abonner, parce que c'est mon cap. Parce que aussi, il faut activer les notifs, parce que c'est très important. Parce qu'il y aura bientôt des vidéos sur World War 2, comme ma première nucléaire sur le jeu. Quelques d'autres vidéos peut-être, mais ça je crois pas. Enfin, j'y pense. Et plein de vidéos sur Black Ops 3, je pense qu'ils vont vous plaire et tout. Donc n'hésitez pas à activer la notif. En plus, ça bug et tout, donc n'hésitez pas à l'enlever, la réactiver si vous voulez. Dis-moi dans les commentaires si votre notification de ma chaîne YouTube, si vous avez la notif bien sûr, marche. Voilà, c'est tout simplement ma chaîne, elle marche très bien et tout. Si YouTube il bug pas par rapport à ma chaîne, je sais qu'il y a quelques vidéos ça marche pas, je sais. Donc déjà avant on passait encore le sujet, il y a ça activé, le grand chelem, il faut l'activer. Donc vous pouvez acheter point code à 4000 points, et là vous allez ici et vous pouvez l'activer. Donc il vous reste encore 4 jours, donc dites-le à votre pote ou voilà, bah, à quelqu'un. Moi je suis à 37 victoires sur 125, j'ai fait très rapide, enfin à chaque game j'ai gagné les games en fait, donc ça a été rapide. Voilà, donc maintenant on va passer vraiment au sujet. Au glitch, donc en fait il faut se mettre en campagne. Donc vous allez voir par la suite ce que je vais faire. Alors campagne, voilà, il y a le menu, tout ça. Vous allez dans campagne, dès que vous êtes prêt, voilà, c'est bon, là vous êtes en campagne, vous voyez tout ça. Après vous faites start et là vous faites armory. Donc le glitch je l'ai pas encore présenté, enfin ce que ça va être en fait, c'est de mettre le Darmator en fait. Déjà dans ce glitch il faut avoir le Darmator, genre sur la Kuda, VMP, tout ça, il faut avoir le camouflage or et diamant et bien sûr le Darmator. Et il faut avoir les armes d'essai que je vais vous dire. Par exemple, on va choisir la MSMC, de toute façon moi j'ai toutes les armes du jeu. Donc on va choisir la MSMC, on va saisir le nom de la variante, on va faire GG, voilà, n'importe quoi. Et maintenant on va faire confirmer, voilà, là tout va bien, c'est très simple. Là on va faire camouflage, voilà. Et là on voit que j'ai 6 vitesses, donc j'ai fait 77 kills, enfin tir à la tête en gros, avec les MSMC. Là, tout va bien, tout va bien. Je vais tout en bas, bah, je vais dans mes heures gratuitement en fait, mais sans rien faire. Donc par exemple, je vous explique une chose, vous ouvrez le grand chelem par exemple, ou un pot de vin. Vous avez la haine, la MSMC et la PPSH dans le même pack. T'imagines par exemple un truc de fou, t'as les 3 armes, bah tu peux avoir le Darmator gratuitement. Donc sans rien faire, sans faire 0 kill, tu peux avoir le Darmator gratuitement. Bien sûr il faut avoir le Darmator sur le jeu, enfin, comme avoir l'or, diamant et sur toutes les armes pour avoir le Darmator. Et il faut avoir les armes DLC, sinon ça marche pas. Donc là vous voyez que j'ai le Darmator, mais il n'y a pas que ça. Il y a des fois le camouflage campagne, mais sur la MSMC ça marche pas. Le camouflage zombie, que normalement il n'y est pas. Donc là il y a le camouflage gaz rouge et lucide. Enfin lucide c'est pour... quand t'achètes le DLC révélation. Mais du coup voilà, j'ai le casse rouge et j'ai le Darmator gratuitement, donc ça c'est cool. Donc voilà, là vous le mettez, après vous mettez sauvegarder, vous appuyez et voilà, bah, la variante elle est sauvegardée. Vous allez en multijoueur, je vais vous le montrer après. Donc on va faire une autre arme par exemple. Je sais que ça marche pas sur toutes les armes, donc la brico pisto ça marche pas, la chiste ça marche pas, la G40 je sais pas du tout parce que comme j'ai déjà un Darmator, bah je peux pas le voir en fait, si c'est nouveau, si je peux l'avoir sans faire de kill ou quoi. Mais en tout cas brico pisto ça marche pas, HS4 ça marche pas, PPSH je peux pas le voir parce que j'ai un Darmator. La KU ça marche, MSMC ça marche, la Miss Garand je sais pas, j'ai un Darmator, FR aussi, Peacekeeper aussi, LV Basis ça marche pas, M16 bah j'ai un Darmator donc je peux pas voir, Galil ça marche, AN ça marche je pense, normalement ça marche, il y en a qui m'ont dit que ça marche, donc je pense que ça marche, mais moi je peux pas le voir parce que j'ai déjà le Darmator dessus. Banty ça marche, je crois que ça marche. Bah après c'est normal qu'on n'utilise pas. L'Olympia j'ai déjà un Darmator donc je peux pas savoir. Mais je crois que oui, l'Olympia aussi. La Ajax non plus, ça marche pas, mais il y a quelques armes en fait, ça marche. Le DBSR ça marche. Le couteau blessique, bah comme ça, on va voir le couteau blessique.
Par exemple, le D13 il marche pas, je crois. Mais voilà, il y a presque toutes les nouvelles armes qui marchent en fait. Toutes les nouvelles, ils marchent. Voilà, là on voit sur le couteau basique qu'il y a les camouflages de la campagne. Donc c'est super cool. Enfin, c'est marrant quoi. Chasseurs, je les ai jamais vus. Et après, vous avez les camouflages zombies. Voilà, sur toutes les armes. Par contre, là, sur HS4, ce que vous voulez, vous pouvez avoir le 4 rouge tout le temps en fait. Sur toutes les armes, et ça, c'est trop beau. Enfin. Pour moi, ce camouflage, c'est un de mes plus beaux camouflages. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur Black Ops 3. J'ai pensé ça maintenant. Même avant, j'avais passé. Faire mes top 5 des meilleures choses sur Black Ops 3. Donc, camouflage, les pires camouflages, les 5 pires camouflages. Plein de choses en fait. Les classes, si vous voulez des best cassette-up, j'en ferai les 5 meilleures classes de moi-même d'un level 1000 ou que vous voulez en fait. Moi, je peux tout faire. Dites-le dans les commentaires ce que vous voulez. Donc voilà, couteau basique, voilà, on va le faire. On va mettre le case rouge, voilà. On va sauvegarder et là, vous voyez que je l'ai. Et normalement, tu peux pas du tout l'avoir. Donc par exemple, on va dans le multijoueur. Voilà, on va aller en multijoueur. Donc là, il faut être en campagne de source pour le faire. En zombie, ça marche pas. Et en multijoueur, ça marche pas. Donc voilà. Il est enregistré sur votre armurerie. Vous allez dans votre classe. Donc MSMC, ma classe MSMC. Bah moi j'ai déjà un armateur du coup parce que enfin genre je l'ai je l'avais déjà fait la variante. Enfin ce glitch je l'avais déjà fait quand je jouais. Donc là on voit que je l'ai pas hein, le armateur. On voit que je l'ai pas hein. Mais pourtant bah je l'ai, je peux jouer avec et tout. Et la KU bah c'est pareil. Alors on va voir. Ah non mais non je l'ai pas fait. Mais on va voir le couteau balistique. Le couteau balistique il est ici. Voilà. Et voilà, donc tu peux l'avoir gratuitement. Donc c'est enfin, pas gratuitement, mais genre tu peux l'avoir comme tu veux. Donc tu chopes les armes dans les largages d'adaptement. Bah, première partie, tu peux carrément avoir le dermator dessus, faire une découverte, faire ce que tu veux. Et ça, c'est super cool. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Et même par exemple, il y a la Scarache ou la PDW qui sort. Bah tu peux l'avoir un armateur gratuit quoi. Et autant ça va être ça. Et je ferai un autre tuto. Enfin je recommencerai ça de nouvelles armes pour vous les affirmer on va dire. Si ça marche, je vous tiendrai au courant tout simplement. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi m'a fait super plaisir de la faire. J'espère qu'elle vous aura aidé. Voilà, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait cette vidéo. Je sais pas du tout. Après, c'est pas grave. Si vous le savez, bah tant mieux. De toute façon, je pense pas que les nouvelles personnes savent ce glitch, mais regarde la vidéo encore, ça sert un peu à rien. Mais voilà, pour les gens qui ne savent pas, bah, j'espère que ça vous aura informé, ça vous aura aidé tout simplement. Et voilà, bah, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner, à mettre les notifs sur ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez mis la notif, si la notif marche et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc voilà, du coup, moi je te dis c'était Carnage. Allez, ciao les gars.